Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue, pour les croyants, signe d'espérance en la résurrection. Au moment dont survient notre frère, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Matthieu de reposer en paix dans ce tombeau, jusqu'au jour où tu le réveilleras, pour qu'il voie de ses yeux la lumière sans déclin. Seigneur, c'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui la redonneras à nos corps mortels. Vois notre peine. Entends notre prière pour Matthieu qui soit délivré de la mort et comblé de la douceur du paradis avec tous les saints. Non. Tu n'es pas loin de ceux qui t'appellent et tu accueilles les pécheurs que nous sommes. Amen. Tu es Lisa, n'est-ce pas? Oui. Je m'appelle Michel. Je suis la sœur de ton papa. Tu as du chagrin? Moi aussi. C'était quelqu'un de formidable, ton papa. Il va beaucoup nous manquer. Mathieu m'écrivait souvent. Il me parlait beaucoup de vous et de Lisa. Et je vais m'installer à Enghien. J'espère qu'on va se revoir. Fanny, promettez-moi qu'on va se revoir souvent. Oui, bien sûr. Au revoir, Lisa. Au revoir, Inès. Au revoir. Tu es sûre que tu veux passer juste un peu? Demain. Aujourd'hui, je... Bon, écoute, j'ai passé main. Appelle-moi si ça va pas. Forte, hein. Très forte. J'ai pas envie d'aller à l'école. Comme tu veux. Oh putain, je vais quand même y aller.
Ah, Fanny, comment ça va? Je suis toute remuée, vous savez. C'est quand même terrible, ces autoroutes. Moi, je dis toujours à mon mari, on prend pas l'autoroute, il roule trop vite. Enfin, si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas. Hein. Merci, Émilie, c'est gentil. Et puis, mon mari peut vous dépanner si vous avez un problème. Parce que sans homme, maintenant... Merci. Ah, et faites attention, il y a encore eu un cambriolage dans l'immeuble. Vous vous rendez compte, en plein après-midi. Alors fermez bien votre porte à double tour, hein. Vous savez, il n'y a pas grand-chose à voler chez moi. Ah ouais, mais ça, les voleurs le savent pas. Mon mari va faire la ronde tous les soirs. Et s'il en prend un, croyez-moi, il va le sentir passer. Surtout que mon mari, c'est un ancien sportif. Enfin, si vous entendez quelque chose de pas normal, surtout vous nous appelez, hein. C'est ça, merci Monique. Je vais se fermer. Je vous le répète, Madame Jalmin, ce que vous me demandez est impossible. J'avais déjà accordé un découvert de 10 000 francs à votre mari. Et maintenant que... Je peux pas aller plus loin, je suis vraiment désolée. C'est juste le temps que je touche l'assurance vie de mon mari, hein. Et puis je vais retrouver un travail. Soyez un peu humaine, quoi. J'ai une petite fille, c'est pas grand-chose, 2000 francs. Écoutez, Madame Jalmin, je vous accorde 1500 francs à titre exceptionnel. C'est tout ce que je peux faire. Je le prends sur moi. Je vois bien que c'est une grenouille verte et pas bleue. Mais tu vas pas la mettre là-dedans. C'est fait pour mettre de la salade, pas des grenouilles. Et ça? Si tu veux. Tu peux mettre du sable aussi, ou de cailloux. Elisa. Ça mange quoi, à ton avis, les grenouilles? De nénuphars. Des mouches, des moustiques aussi. Et nous, on mange quoi ce soir? Des spaghettis à la carbonara. Encore? Bah, la dernière fois, c'était à la Provençale. T'as des devoirs? Oui. Bon, et ben alors, tu prends ta grenouille, tu vas faire tes devoirs, et moi, je prépare les spaghettis. Oui, oui, bien sûr, oui. Je vous écoute. Monsieur Ségonzac, ça fait plus de 8 ans que mon mari avait souscrit cette assurance vie. Je comprends pas pourquoi vous me dites que tout à coup... Oh non, non. Pas tout à un coup, Madame Jalmin. Si vous preniez la peine de relire attentivement cette police d'assurance, paragraphe 2, alinéa 12, vous constateriez... Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Les 4 mensualités n'ont pas été payées. Et ça, malgré de nombreuses relances. Alors votre dossier... Votre dossier, il est parti au contentieux. Ce qui a pour effet d'annuler... Purement, simplement. Mais je comptais sur cet argent. J'ai ma fille, je suis à découvert à la banque. J'ai 2 mois de retard sur le paiement de mon loyer. Votre mari a été bien imprévoyant. Ah bon? Il aurait dû prévoir de passer sous un camion et de vous envoyer un chèque la veille. Bah, vous pourriez peut-être reprendre votre ancien boulot.
me dois de l'argent. Demain, c'est pas facile. Demain. Intérêt. Oubliez les fermer la fenêtre. Mais Lisa ne rentre pas à midi, elle est à la cantine. Regarde si tu n'as rien volé. Non, ça n'a pas l'air. Mais c'est incroyable quand même. Je fais des annonces, je téléphone, j'arrête pas. Ah, tu sais, moi j'ai une copine ici à Enghien, qui travaille dans un hôtel. Je vais l'appeler, parce qu'elle prend son congé maternité. Peut-être qu'elle n'a pas encore de remplaçante. On sait jamais. Ouais. C'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment une question de survie. Je serais même prête à faire la plonge. T'inquiète pas, elle est réceptionniste. Oh, bonjour Lisa. Bonjour. C'est quoi ces trucs que t'as à la main? C'est des cailloux pour faire des ailes à ma grenouille. Ah, d'accord. Et elle prend ça comment? Comme ça, plutôt bien. Mais au fond, je sais que ça la travaille. Et toi? La vie continue. Pour la petite, au moins. C'est surtout le soir que... On va prendre des années, quelqu'un que tu aimes, que tu peux sentir toucher, et puis... Tout à coup, c'est... Mais écoute, tu rencontreras quelqu'un d'autre. Tu parles. Attends, tu es belle comme un cœur. Faudra bien que tu refasses ta vie un jour. Attends, Lisa, tu plaisantes? Tu n'as pas accroché ce truc qui monte dans l'entrée? C'est pour attraper des mouches pour ma grenouille. Dans ta chambre, tu accroches ce truc horrible dans ta chambre, s'il te plaît. Mais c'est ici qu'il y a le plus de passage. Allô? Allô, Fanny? Oui, c'est Michel. Ça me ferait très très plaisir si vous pouviez venir dimanche prendre le thé avec Lisa vers 16h. Oui? Très bien. Ben, parfait. À dimanche. Elle a l'air sympa, ta belle-sœur, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai jamais acheté tout ça. Ah bon? Et comment c'est arrivé là, alors? Mais je sais pas, je te jure, c'est pas moi. Qu'est-ce que tu fais? J'ai jamais acheté tout ça. Quelqu'un est entré ici, il les a mis. Mais Fanny, en général, les aérateurs pour vider, pas pour remplir, hein? Maman? On mange quand? Tout à l'heure. C'est peut-être Lisa qui voulait te faire une surprise, non? Avec quoi? Je dois avoir ma femme dans sa tirelire. Lisa! Pas encore des raviolis. Oh, écoute, tu les aimes bien d'habitude. Si les gens vraiment se font la pub. Qu'est-ce qu'il
s'il y a. Vous voulez ma photo? On vous a dit de ne plus remettre les pieds ici. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Vous payez, vous dégagez, sinon j'appelle Netflix cette fois-ci. Comment ça, dégager? Vous avez pas le droit de me parler comme ça? Vous vous prenez pour qui? Appelez-moi le directeur. Le directeur? Suivez-moi par ici. Allez. Vous attendez-moi là deux minutes, je reviens. Vous voulez que je continue? Mais c'est pas moi! Mais c'est pas moi! Écoutez, madame, à 17h30 hier, c'est-à-dire mardi, vous avez été prise en flagrant délit de vol. Mais j'ai jamais, jamais venu. Vous avez reconnu les faits. Vous avez payé le montant de votre vol, 462 francs. Vous voulez que j'appelle la police? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis jamais venue ici hier, jamais, je m'en souviendrai. C'est votre signature, ça. Mais c'est bien ma signature, mais c'est pas moi qui signe ce papier! On va pas se taper des poissons ou des pizzas périmées. Pour être malade comme des chiens, on est payé pour sortir les poubelles, pas pour les faire. Oh, mais écoute, mai 99, c'est pas périmé. Et puis regarde, la pizza, elle est encore bonne. Oui, tiens, là, voilà. J'ai envie de lui parler. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Lisa. Tiens, j'ai une grenouille maintenant. Oh, c'est bien. Fanny, je voulais vous dire, vous avez dû jeter par erreur des provisions qui sont pas du tout périmées. C'est pas une erreur, je jette des provisions parce que j'en veux plus, c'est tout. Ah bon? Mais je vous empêche pas de les prendre si ça vous fait plaisir. Bonjour, bonsoir. Je peux vous aider? Oui, bonjour, je suis Fanny Jalmin, l'amie d'Inès. Ah oui, parce que c'est moi que vous allez remplacer. C'est pour quand? Dans 3 mois. Et vous, vous avez des enfants? Oui, j'ai une petite fille. Bon, bah, je vais prévenir M. Fairbark. Merci, merci. Vous n'avez donc jamais travaillé dans un hôtel? Jamais, mais j'ai... Enfin, je suis prête à m'adapter très vite. Je m'adapte bien en général. Vous parlez anglais? Je me débrouille pas mal. Bien. Vous êtes mariée? Mon mari vient de décéder. J'ai une petite fille. Excusez-moi. Écoutez, madame Jalmin, ce que je vous propose, c'est un contrat à durée déterminée avec un salaire de 8000 francs bruts. Ça vous va? Oui, ça me convient très bien. Eh bien, c'est parfait. Je suis engagée, alors? Vous pouvez commencer la semaine prochaine? Oui, sans problème. Ben, merci. Au revoir, madame Jalmin. Au revoir. Oh, merde! Oh, c'est pas vrai. Là, la pompe, ça va servir à rien parce que les deux pneus sont crevés. Il y a un garage au coin, si vous voulez, je vous accompagne. Je peux même porter le vélo. Merci, mais... Enfin, je... C'est pas trop lourd. Une horreur. Et vous, vous travaillez? Ouais, je suis flic. Un flic honnête. Vous m'avez cru? Bah oui, je vous ai cru. Non, je suis croupier au casino d'Anguin. Ah, c'est vous qui jetez les... Eh ouais, c'est moi. Et c'est bien payé? Bah, j'ai pas un plan. Ça me laisse beaucoup de temps libre. Regarde. Je crois pas à la magie. Et quand vous jetez la boule au casino, vous la faites quand vous voulez? Ah, je peux pas vous répondre, c'est un secret professionnel. Vous venez jouer ce soir? Vous me feriez gagner?
façon, j'aime pas les jeux de hasard. Puis, j'ai pas d'argent à gaspiller, surtout en ce moment. 4 heures, faut que je parte. Oh non, déjà? Vous viendrez me voir au casino? J'ai envie de vous revoir. Écoutez, je viens de perdre mon mari. Je cherche du travail. J'ai une petite fille de 11 ans que je dois chercher à l'école et je suis déjà très en retard. Au revoir. Au revoir. Merci pour le thé. Et toi, qu'est-ce que tu sais faire? La mousse au chocolat. On l'a apprise à l'école. Tu es en quelle classe? 6e. Et tu sais quel métier tu veux faire plus tard? Oui, vétérinaire. Vétérinaire? Mais c'est très bien, vétérinaire. Qui aime les animaux aime les hommes. Et tu aimes les tartes, toi, je me trompe? Fanny, un petit peu de thé au citron? Oui, merci. Je voudrais que tu me considères comme une amie. On se dit-tu? Oui, d'accord. Elle est belle, votre... maison. Oui, merci. Mais elle est trop grande. J'ai toujours rêvé d'une maison comme ça, mais... seule. Je regrette d'avoir été éloignée si longtemps. Il faut rattraper le temps perdu. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Je te remercie. Mais je crois que ça va aller maintenant. J'ai retrouvé un travail, réceptionniste dans un hôtel. Mais quand même, si tu as le moindre problème, de quelque ordre que ce soit, n'hésite pas, fais appel à moi, d'accord? D'accord. Lisa! Laisse. Tu voudrais apprendre à jouer du piano? Oui. Formidable qui enseigne à côté. Elle pourrait donner des cours à Lisa. Allez, dis oui, maman. Après l'école, bien sûr. Et puis si c'est trop loin en vélo, j'irai la chercher. Merci, Michel, pour le goûter. Fanny, j'étais ravie. Oh, une seconde. Tiens, ça, c'est pour toi. Waouh, il est génial. Michel, fallait pas. Non, ça n'a aucune importance. C'est rien. J'espère surtout que ça va t'aller. Allez, rentrez bien. Merci, Michel. Rentrez bien. Thank you.
Maman? Maman? Oui. T'as pas vu mon t-shirt rose? Je sais pas, je charge dans tes affaires de sport. Coucou, c'est moi. Coucou. Je suis désolée, j'ai oublié de t'appeler. Tu sais, ça a marché à l'hôtel, j'ai vu le directeur. Je commence lundi. C'est super. Écoute, je suis libre tout l'après-midi, je t'invite à déjeuner. Moi, je peux pas. Lisa rencontre son professeur de piano. Ah? Prends des cours de piano, maintenant? C'est ma belle-sœur qui lui offre. Mm-hmm. Bah, c'est sympa. Mais je peux y aller toute seule. Je suis assez grande. T'es sûre? Salut, ma grande. Salut, Inès. Écoute, je trouve vraiment pas mon t-shirt rose. Écoute, je sais pas, cherche dans ta chambre. Mais je suis sûre qu'il est dans ton placard. Non, tu cherches pas dans mes affaires. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Pas là. Je me sens bizarre en ce moment. T'as l'air pas. Les affaires de Mathieu qui réapparaissent comme ça, l'homme était sûr. Sûr, tout était disposé comme avant. Et c'est quoi cette histoire des supermarchés? Je sais pas, Inès. Je crois que je suis en train de devenir folle. T'as rien de choc émotionnel, c'est tout. Allez, on va manger une salade. Il y a toujours une solution rationnelle à tout. Michel? Michel? Je suis là. Coucou. Je suis toute seule. Maman est partie déjeuner avec Inès. Elle est malade, la prof de piano? Non, elle est malade. Mais c'est moi qui vais te donner ce premier cours. Mais avant, j'ai une surprise. Tu vas monter dans ma chambre. Sur le lit, il y a un paquet blanc. Tout ce qui est à l'intérieur est à toi. De toute façon, je me suis fait un réseau. Il n'arrive pas à regarder un mec. La dernière fois, c'était sérieux, il voulait un enfant. Alors, quand il a su que je ne pouvais pas en avoir, tout est parti à l'eau. Alors, quand j'ai un peu plus d'être seule, je sors, je me vois la première venue. Enfin, je sélectionne quand même. Au fond, on est pareil. On est seul. Sans homme. Comme enfant, toi, t'as Lisa. Elle est géniale, ta fille. Moi, je sais que j'aurai jamais d'enfant. Je n'aime pas ça pour me rassurer. Tu pourras en adopter un? Ah oui, parce que tu crois que c'est comme ça que ça marche? Ça fait 3 ans que j'ai déposé un dossier. Les enfants, on est donc au couple. Il faut être marié. Tout ce que je suis pas, quoi. Je m'avais déjà dit, je vais voir ma sœur à Bilbao. Ils ont quel âge les enfants de ta sœur? Je sais pas, 8, 9 ans. Je sais plus. Tu m'appelleras? Tu es ravissante. Bonjour. André. Inès. Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr.
Vous voulez faire un tour en barque? Ah oui, un tour en barque. Génial, hein? Stéphanie, qu'est-ce que t'en penses? En train de regarder ça toute ta vie. Eh oui. Et lui était ramené. Tu le savais. Au coup de quoi? Mais j'ai raison. Bon, mais je suis très pressée. Donc, merci André pour la balade. À bientôt. Ciao, Fanny. On s'appelle? Oh. Quoi? Tu sais où elle aurait? Non. Elle est juste à côté. Tu sais ce qui vient après? Bon, Mi. Il est fantastique. Il te plaît, le Mi? Oui. Bon, alors Doremi. Voilà un bon début. Allez, joue-toi. Moi? Oui. Tu veux? Ce qui est merveilleux avec Bach. Quel que soit son morceau, il finit en majeur, avec espoir. En fait, c'est à ça que sert la musique, à exprimer ses sentiments, ses émotions. Faudrait en mettre à tous les carrefours, il y aurait moins d'accidents. Lisa. Il va falloir que tu l'aimes très fort, ta maman. Tu l'aides. Je l'aime très fort. C'est joli, non? Oui. Oh bah t'es sérieuse toi? Tu fais tes devoirs un mercredi? Ouais.
Et alors? Alors quoi? Ben, le piano. C'est tout son piano. Il est gentil, le professeur? Très. Tu boudes? Tu sais que je t'aime. Moi aussi. Je vais me faire un thé. Tu veux quelque chose? Non. Maman, je peux allumer la télé? Écoute, Lisa, je me sens pas très bien. Je vais aller m'allonger. Ne me réveille pas, d'accord? Vas-y. Tu m'aimes. Dis-moi. Vas-y. Hey. Eh, hey, toi! Viens. Viens. Zaza. C'est ma grenouille. J'ai mis une grosse mouche dans la boîte d'allumettes. D'accord, d'accord. T'as encore mal à la tête? Salut. Fais attention au croisement. Regarde bien à droite et à gauche. Bonjour. Ah, Madame Jalmin. Finalement, je suis désolé, mais ça ne va pas marcher. Je ne peux pas vous donner la place. Mais pourquoi? Je ne veux pas avoir de problème avec la police. Mais je comprends pas. Vous m'aviez dit que... Restons-en là. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Mais j'ai besoin de ce travail pour...
vous avez des relations bizarres. Elle n'est pas là, Michel? Ah non, elle est à Paris pour ses affaires. Michel, c'est ma tante. Oui, je sais. Je peux avoir un jus d'orange? Oui. Merci. Bonjour. Vous voulez prendre un verre? Vous avez trouvé du travail? De toute façon, tu le mérites mieux que de bosser dans un hôtel minable. Je comprends pas ce qui s'est passé. Tout était d'accord, je devais commencer tout de suite et puis brusquement. Ben, il est con ce mec, c'est tout, il est con. Je vais t'en trouver du boulot, moi. En attendant, tu veux boire quelque chose? Une bière? Ah, j'ai pas. Un thé? Ouais, d'accord. Ou plutôt, non. Un café, plutôt. Passer chez moi avant d'aller bosser. T'es tendu, toi. Tu sais ce qu'ils font, les Chinois, le matin, avant d'aller bosser? Dans les parcs. Ils se font des massages. Pareil que tu t'appelles Lisa. Oui. Et vous, Jackie? Moi, je suis un ami de ta maman.
Les fleurs, il faut les mettre dans l'eau. Qu'est-ce que t'as là, toi? Oh! C'est quoi, hein? Tiens. Ça va, ma chérie? Non, mon monsieur, il a trouvé un œuf dans mon oreille. Regarde. Souffle. Il y a quoi, là? Oh! Ouvre ta main. Souffle. Ouvre doucement. Vous êtes magicien? Eh ouais. Je peux te faire disparaître et réapparaître, si tu veux. Bon. Merci pour le café. Faut rester pas pour dîner? Ben, je sais pas. Bon, je vais rentrer. Faut que je travaille ce soir. Tu m'appelles? Hop. Voilà. Bonsoir. Tu t'appelles comment? Voir un médecin. Un médecin? Bah oui, un médecin, oui. Et puis passe me voir ce soir si tu veux, je travaille pas. Oui, oui. Bien, vous pouvez fermer les yeux. Il faudra des examens complémentaires, mais à première vue, on en dirait un dysfonctionnement neurovégétatif. Est-ce que vous prenez des antidépresseurs en ce moment? Non. Des stupéfiants? Des stupéfiants? Comment ça, docteur? Je ne me drogue pas.
assure. Bien. Dans ce cas, on va procéder à d'autres examens. Et le mieux, c'est de faire un scanner. Un scanner? Oui, pour s'assurer qu'il n'y a pas de tumeur au cerveau. Mais comment ça? Écoutez-moi, madame. Je ne vous dis pas que vous avez une tumeur cérébrale. Je veux seulement éliminer tous les doutes. Vous comprenez? Vous écrivez quoi? Je vous prescris de l'aspirine pour vos maux de tête, c'est tout. Vous avez besoin de repos. Le décès de votre mari, c'est une épreuve difficile. Vous m'avez dit que vous avez une petite fille de 10 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous devriez la confier à des amis ou à des proches pendant quelque temps. Pour vous, ce serait mieux. Bien. On va attendre les résultats de ces examens et vous m'appelez d'ici une semaine pour fixer un nouveau rendez-vous, d'accord? De la caméra de surveillance. C'était moi, et puis c'était pas moi, puisque je me souviens pas y être allée dans cette saloperie de supermarché. Je vois des choses floues. Calme-toi. Et puis mes cheveux. Moi, je les trouve très jolis, tes cheveux. De devenir folle. Non, je crois pas. Je crois que t'as eu un peu trop d'émotions, c'est tout. Le médecin veut que je passe un scanner. Il trouve que ma pupille est contractée. Bah moi, je les trouve très jolies, tes yeux. Je les trouve magnifiques. J'ai eu envie de changer. Mais t'aurais pu en parler. C'est moche. Oui, c'est pas moche, Yannick. Inès, je peux te demander un service? Bien sûr. Je sors de chez le médecin et il m'a demandé de faire un tas d'analyses. Qu'est-ce que t'as? En ce moment, je me sens pas très bien. Enfin, je veux pas inquiéter Lisa. Tu m'as dit que tu partais après-demain chez ta sœur? Ouais. Est-ce que tu peux me l'emmener? Oui, bien sûr. Attends, au contraire, on s'entend super bien tous les deux. Et l'hôtel, t'as déjà commencé? Ah oui, c'est vrai, je t'ai pas dit. Au dernier moment, le directeur a changé d'avis. Bon, bah, c'est pas grave, je trouverai autre chose. Pour l'instant, il faut que je m'occupe de ces analyses. Je suis totalement paniquée. Mais tu verras, ça sera pas grave. Je suis sûre. Ça te plaît.
l'intérêt de partir une semaine ou deux à Bilbao avec Inès? Ce serait génial. C'est beau rêve. Tu viendras? Non, faut que je trouve un travail. Bonne nuit. Oui, c'est très très bien. Geneviève, vous pouvez vous occuper d'elle? C'est drôlement joli, hein? Ça te plaît? Oui, c'est très joli. Dis-moi, j'ai un petit problème avec une de mes vendeuses. Puisque tu n'as plus ce travail à l'hôtel, tu pourrais la remplacer? C'est très gentil à toi, mais... Ça me dépannerait. C'est payé 9000 francs, ça t'irait? Oui, bien sûr. Mais Lisa... Là, ça va, elle s'en va 2 semaines en Espagne. En Espagne? Oui, pour les vacances. Mais après, quand elle reviendra, ça va m'obliger à partir plus tôt, à prendre le train et forcément revenir plus tard. J'irai la chercher à l'école, on se débrouillera. Ça me ferait vraiment plaisir que tu acceptes. Bah d'accord, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Dis-moi un vrai service. C'est une petite avance. Prévenu. Qui c'est celle-là? Et roule pas trop vite. Lisa, tu mets ta ceinture. Si elle a mal au cœur, j'ai mis de la notamine dans son sac. Mais t'inquiète pas, on t'appelle dès qu'on arrive, hein. Bon, repose-toi bien. Ça y est, Lisa est partie en vacances. Ça va lui faire du bien, la petite. Nous, on part la semaine prochaine. Et vous, vous partez quand? Plus tard, peut-être, j'ai un nouveau travail. Ah, c'est bien, je suis contente pour vous. Thank you.
Vous ne me reconnaissez pas? Non. Je suis l'assistante sociale du collège de Lisa. Je me suis permise de venir vous voir parce que votre fille semble avoir quelques problèmes. Elle n'apprend plus ses leçons. Elle semble ailleurs. Je sais qu'elle a perdu son papa. Nous pensons que ce serait bien qu'elle soit suivie par le psychologue de l'école. Enfin, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Nous avons besoin de votre autorisation. Tenez, signé. Et puis peut-être que vous pourriez vous aussi parler avec le psychologue. Le psychologue? Lisa va très bien. Elle va très bien. Pardon? Je suis chagrin, moi. Je viens de perdre mon mari, Mathieu. Il s'appelait Mathieu. Je l'aimais, Mathieu. Mais j'en suis certaine. Lisa n'a pas de problème. Lisa est une petite fille heureuse. Fous-moi la paix. Hey. Oh, calme. Séparez-vous. Séparez-vous. Allez, allez. Allez. Sale pute. Connasse. Reste tranquille. C'est pas tiré. Allez. Dépêche. Ton nom, ton prénom. C'est écrit. Fanny Jalmin. Fanny. Fanny. Fanny.
La salle. Allô? Oh. Oui, SAMU, s'il vous plaît. 27 rue des Platanes, ouais. Oh. Madame Fanny. Fanny Jalmin, ouais. Fanny Jalmin, 27 rue des Platanes. Mais je sais pas, de Verdos, peut-être. Ouais, venez vite. Ton histoire. En veux une? Jalmin, Madame Prunois, de la DAS. Direction de l'Action sociale de l'enfance et de la santé. Vous pouvez me... Oui, bien sûr. Une enquête a été ordonnée par le juge des enfants au tribunal de grande instance. Qu'est-ce que vous dites? La requête de Madame Michèle Giraudet, qui fait prévaloir ses droits de familiaux dans cette affaire. Ma belle-sœur? Mais pourquoi? Quelle affaire? Quels droits familiaux? Madame Giraudet demande la garde de votre fille Lisa et que vous soyez dessaisie de vos droits maternels. Elle est folle. Elle est folle. Mais c'est elle. C'est elle. Je vais m'arracher Lisa. Personne ne veut voler votre fille, madame. Au vu du dossier, il y a quelques faits en votre défaveur. Quels faits? Celui, par exemple, d'avoir été hospitalisé ici pour overdose. La police a trouvé 10 grammes d'héroïne. Où ça? Chez vous, dans votre sac à main. Mais c'est pas possible. Je me suis entretenue avec madame Dujardin, l'assistante sociale du collège de votre fille. Mais je sais pas qui c'est, j'ai jamais vu cette femme de ma vie. Vous l'avez reçue chez vous, et vous l'avez renvoyée. Elle dit que vous aviez l'air étrange. Mais c'est un complot. Vous comprenez pas, c'est un complot. Michèle veut m'arracher Lisa. Vous travaillez pour elle, je crois. Elle a déclaré à la police que vous aviez volé 600 francs dans la caisse et elle a un témoin. Mais c'est monstrueux. Qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai même pas commencé. Elle a un témoin. Elle ment. Tout le monde ment. J'ai aussi un procès verbal établi à votre encontre pour altercation et racolage sur la voie publique. C'est pas possible. Madame Jalmin. Madame Jalmin, vous m'écoutez?
Madame Jalma. Je t'avais interdit de venir. Et qu'est-ce que tu crois? Tu peux tout acheter avec ton pognon? Mais depuis quand un gigolo a-t-il des états d'âme? Je dis que c'était que je la séduise. Hein. Pas que je commette un meurtre. Mais elle est toujours vivante, que je sache. Si tu touches à un cheveu de Fanny, je t'étrangle. T'entends? Je t'étrangle. T'entends? Je t'étrangle si tu touches à un cheveu de Fanny, d'accord? Est-ce que t'entends? Oh. Tu fais là. Je pense que j'ai cru à ta gentillesse, à ton amitié. Tu me dégoûtes. Ce que tu voulais, c'était m'arracher Lisa. Tu es un monstre. Mais qui va croire cette histoire? Qui va croire une pauvre droguée au chômage? Tu vas prendre un papier, un stylo et tu vas écrire à ce juste pour enfant. Tu vas lui écrire que tu renonces à ton projet. Tu ne veux plus adopter Lisa. Que tu retires ta plainte. Sinon... Mais c'est moi qui viens d'appeler la police. Je vais lui dire qu'une folle s'est introduite de force sur moi et qu'elle m'a menacée. Donne-moi cette arme, Michel. N'avance pas. N'avance pas, Fanny. N'avance pas! Thank you.
qui s'est passé. Déjà réveillé? Bonjour, madame Jalmin. Ça va mieux? Vous avez meilleure mine? On va diminuer les doses de calmants. Oui, ma fille. Vous inquiétez pas. Votre amie et votre fille ont appelé. Votre fille, elle va très bien. Elles vous rappelleront cet après-midi. J'ai encore travaillé ici? C'était comme avec vous, madame Jalmin. C'est très gentil. J'ai jamais eu d'histoire avec elle. Jamais. Vous avez pris le travail à quelle heure ce matin? C'était ce matin, cet après-midi. C'était ce matin, moi je sais plus où être. C'est où? C'est au premier inspecteur. Ça vous embête de nous accompagner? Non. Alors, si toutes les empreintes étaient aussi claires, il n'y aurait jamais de problème. Suicide? Probable. Elle avait l'air d'être à l'aise, la petite dame. Chacun fait son enfer où il veut. Hein. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Samedi, 35 000 francs à Daniel Lavergne. Jeudi, Daniel a bien drogué les sachets de thé. Fanny va devenir une épave. Vendredi, l'ami de Daniel devient Fanny, cherche et vole de la nourriture dans un supermarché. Lundi, 20 000 francs versés en vrai. Attends, c'est pas fini, regarde. Ça, c'est bien, ça. Regarde. Terrible accident sur l'autoroute du Soleil. Une petite fille meurt carbonisée. Miraculeusement, la mère, Michel Giraudet, sort indemne de l'accident. T'as des nouvelles de maman, en fait? Mais elle est toujours là-bas? Non, elle n'est pas rentrée. Non, elle n'est pas rentrée. Il faut que tu me trouves l'adresse de cette Fanny... Jalmin. Et tu me mets la main sur ce Daniel Lavergne. Il y a sûrement des choses à nous raconter. Hein. Sûrement. T'as pas une cigarette, s'il te plaît? Attends, merci. Merci. Mais on n'a pas le droit de fumer ici. Vous avez un admirateur timide? Il n'a pas osé monter. Je vais chercher un vase. Tu es quelqu'un de formidable. Maintenant, je sais que tu vas t'en sortir. Et même si un jour, tu apprends certaines choses sur moi, ne me juge pas trop mal. Je t'ai vraiment aimé, le magicien. Inspecteur Curtelin. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre belle-sœur, Michèle Giraudet, s'est donné la mort ce matin chez elle. J'ai arrêté un certain Daniel Lavergne et sa complice. Nous les interrogeons et... il a déjà avoué vous avoir drogué à votre insu. Mais j'ai prévenu votre médecin. Et dès demain, vous pouvez rentrer chez vous si vous le souhaitez. Il n'y voit aucun inconvénient.